إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallah, certainement, nous étant tous esclaves, nous remercions toi beaucoup, nous remercions toi infiniment, qui t'encore garde nous vivants, l'eau de la terre. Nous remercions toi beaucoup, malgré tout, ce qui te peut permettre nous pour nous témoigner, ce qui peut traverser alentour de nous, dans notre pays, et ce qui peut traverser entier le monde. Wallah, nous remercions toi infiniment pour plus grand faveur qui te fait l'ON humain, en particulier nous, Bankena Iman, malgré toutes nos souffrances, toutes difficultés qui peut toucher nous. C'est la vie qui t'encore préserve dans nos corps. La vie qui peut permettre nous, malgré tout problème, malgré toute difficulté, malgré toute souffrance, qui peut permettre nous continuer vivre le tout la terre. Jouir à tout bonne faveur, même qu'il nous sentit qu'il finit diminuer, ou bien peut-être pour certains qu'ils peuvent être privés de lui. Mais alhamdoulillah, tout grandir, tout éloge, tout remerciement pour toi. Non qu'au vivant, non qu'au parmi nos familles, non qu'au pas capable de faire tout éloge, non qu'au pas capable faire roukou pour toi. Non qu'on peut capable faire sijda pour toi. Non qu'on peut capable réciter tes paroles, le glorieux Coran. Non qu'on peut capable mettre l'enseignement de nos Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nous la vie pratique. Ne pas pour capable finir bien chez toi pour ça. Nous ne sommes pas capables de finir aimer chez toi pour sa bonne faveur là, malgré situation qui nous peut faire face. Chers frères et chers sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala un remerciement spécial pour faveur qu'il peut faire à nous.
un frère de l'organisation Al-Huda wa Al-Nour qui fait mettre debout sa série de 20 sessions d'éducation et de formation et de rappel afin qu'il nous capable continuer God contact avec nos bons frères, nos bonnes sœurs, qui n'ont iman, et même avec le public mauricien. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour la facilité qu'il fin accorde nous, même qu'ils ont dit, nous ne sommes pas capables de sortir depuis dans nous la case, Al-Ziska, Banjimoun, comment nous t'habitons faire dans nos masjid, dans nos différents majalis al-ilm, mais alhamdulillah, c'est grâce à faveur Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui qu'ils sont capables assises dans toute la case et nous encore capables de continuer. Conseillez-eux, enseignez-eux, rappelez-eux. Pour ça aussi, nous doit beaucoup remerciements, nous avons beaucoup reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, dans sa série de bonnes leçons qui nous fait choisir pour présenter tous les jours pendant période de confinement, Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Jusqu'à quand il peut durer? Et nous fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déverse sa pitié en nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa difficulté-là, sa souffrance-là, sa maladie-là, depuis nos territoires, depuis l'île Maurice et depuis tous les autres pays du monde, que sa maladie-là, il fait vraiment une souffrance, une difficulté, l'eau, la race humaine. Chers frères et chers sœurs, alors on fait choisir comme thème pour tous les jours, Inch'Allah, comme titre, le rappel du jour, c'est plutôt ben rappel, et à la lumière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la lumière de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et nos ben prédécesseurs dans sa ummat là, dans un moment côte, c'est ça même, un de ben petites choses qui plient important pour nous. Une de bonnes petites choses qui est plus important pour chacun parmi nous, parce qu'il de nature humaine, nous sujet à l'oubli, la négligence, la perdition. Allah Rabbul Alamin dit dans le Coran, après qu'il finit faire serment le temps, ou l'asr, par le temps, inna l'insana la fi khusr. Certainement, l'homme lit dans la perdition. Veut dire, insan, si quitte l'îlot lui-même, sans le rappel, si quitte l'îlot lui-même, sans la connaissance, alors, les sujets à la perdition, les poils levés à la ruine, les poils levés à la perdition. Donc, bon frère et bonne sœur, surtout, même dans quelle situation nous pouvons vivre, nous étant bankina iman, alors il ne faudrait pas nous gagner tracas. Zis comment pour trouver solution à nos bons problèmes matériels, pour manque ration, pour manque telle nourriture, telle manger, telle quelque chose, pour manque médicaments, pour manque l'argent. Mais il y a une petite chose beaucoup plus importante pour chaque mu'min. Il y a une petite chose beaucoup plus précieuse pour chaque dimon qui a iman. Qu'il est bizarre pour en compte plus qu'il se lance, plus qu'il se mange et boit, plus qu'il médicament. C'est ce iman.
C'est ce iman. C'est cela foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai créateur. Parce qu'ici ça, les baisser, les diminuer dans les cœurs, ce conséquence, les beaucoup graves, qui, c'est qui, un manque dans sa bonne provision matérielle là, lui amener dans la vie du monde. Chers frères et chers sœurs, voilà la raison qui fait nous fait choisir pour faire le rappel. Le rappel qui pour profite, Inch'Allah, avant tout, celui qui perd résultat. Et Inch'Allah, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous y sommes moyens. Nous y sommes moyens. Nous pouvons simplement, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, et nous invoquer qui les mettent bonnes paroles dans la langue, les mettent paroles, les mettent sous paroles qui est un pouvoir tous l'équerre, qui est un pouvoir bouge ban l'équerre, qui est un pouvoir guide ban du monde, qui est un pouvoir donne ban du monde l'espoir dans la vie, qui est un pouvoir réconforte ban du monde depuis cette souffrance. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Form and Load, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel, les profite ban qui n'a iman. Après cette introduction-là, concernant l'importance qui fait nous faire choisir le rappel dans sa série de ban programme qui nous présente à Zot, nous rappelle à Zodi, c'est concernant une vérité qui, ban qui n'a iman, vous n'êtes pas gagné droit oublié. Vous n'êtes pas gagné droit négligé. Quand nous cause iman, ban frère et ban sœur, quand nous cause iman, l'équerre, ban pilier de iman, c'est iman en Allah. Iman en Allah subhanahu wa ta'ala, qui repose l'eau, quatre piliers principaux. Quatre piliers. Iman en Allah. Iman en Allah repose l'eau, six piliers. Mais iman, iman repose l'eau, six piliers. Le premier de ban pilier de iman, la foi en Allah. Et la foi en Allah, il repose l'eau, quatre piliers. Et le premier de ces quatre piliers-là, iman dans l'existence d'Allah. Iman en Allah étant l'unique divinité qui mérite l'adoration, qui mérite nous l'adoration. Troisième, iman en Allah étant l'unique Rab qui signifie le créateur, qui signifie le propriétaire, qui signifie l'administrateur, qui signifie l'approvisionneur. Et quatrième, iman en Allah, soban nom et soban attribut. Nous rappelle Azordi, il est relié avec sa quatrième pilier, de ban pilier, du premier et l'équerre de ban pilier de iman, iman en Allah. Iman en Allah dans son ban nom et son ban attribut. Quand nous finissons dire nous croyons dans Allah, nous croyons dans Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala liena ban plis joli nom. Allah subhanahu wa ta'ala
لينا بان اتريبي اي نو بيزا من ايمان ان الله avec l'acceptation, la conviction, une croyance ferme dans sa ban attribut là, un parmi ban attribut qui nous amène, quand nous amène iman en Allah, nous amène iman en Allah étant al-hakim, al-hakim, un attribut parmi ban attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui mentionnait dans beaucoup ban ayat, dans beaucoup ban versets du Coran, parmi tant de ban versets, un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surah 3 ayat 18, Shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله فين تيمواني كي بينا aucun vrai إله excepté lui, aucun vrai divinité qui mérite l'adoration excepté lui, ban ange et ban qui en a la connaissance, je te suis témoin de sa vérité là. Vérité la ilaha illallah. Et Allah peut maintenir sa création avec la justice. Allah peut maintenir sa création avec la justice. Et important, dans un moment pareil, pour nous rappeler nous de bonne vérité pareille, Allah peut maintenir sa création avec la justice. Pena aucun divinité de vérité autre qu'il est, li al-aziz, al-aziz, le tout-puissant, et li al-hakim, al-hakim. Alors, un attribut parmi ben, un attribut d'Allah qui ne peut traduire li et ne peut pas sentir leur implication, croire en Allah comme Al-Hakim, et surtout dans un moment pareil, surtout dans une situation pareille, comment les prophètes nous, quand on nous dit qu'on n'a iman en Allah, étant Al-Hakim, chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala les rapporte nous, dua d'un grand prophète, un prophète qui finit faire preuve de sa conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète qui finit traverse dans des situations et des situations difficiles. Dua que le prophète Ibrahim alayhi salam, en compagnie avec ce garçon Ismaïl alayhi salam, tu fais. Surah 2, verset 129. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Oh nous Rab, envoie parmi banla un messager parmi banla même qui pour réciter ban ayat à banla, qui pour réciter ban verset à banla, pour enseigner banla le livre et al-hikma, veut dire la sagesse, et pour purifier banla certainement tu al-aziz, tu le puissant, et tu al-hakim. Signification de al-hakim. Al-hakim, c'est celui qui a beaucoup beaucoup hikma, qui a hikma en quantité et liena hikma dans la continuité. Al-Asfahani li dire da al-mufradat wal hikma isabatu al-haq bil ilm wal aql. Hikma, c'est touche la vérité avec la connaissance et l'intelligence. Quand nous retournons vers traduction dans le Coran anglais français, nous pouvons trouver une traduire
le mot Al-Hakim, en anglais The All-Wise, et en français le Sage. Chers frères et chers sœurs, alors croire en Allah comme Al-Hakim, c'est croire qu'Allah est le Sage dans sa création, dans l'administration de l'univers là, dans l'administration, dans sa législation, implantation de la loi, et dans sa punition. Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous dit, il finit être sage dans sa création, il n'a pas fini créer une créature inutilement. Capable peut-être à l'époque, ou bien par négligence, ou bien par l'ignorance, capable peut-être certaines djimouns la terre, capable peut-être même pas tu peux croire dans l'existence ce qu'il appelle un virus, ou bien pas tu peux prendre compte qui est un virus capable de faire. Qui un virus capable de faire? Un virus met un le monde à genoux. Capable peut-être insane dans l'état, dans le niveau que tu es arrivé. Avec l'intelligence qu'il croit qu'il n'arrive tellement loin. Avec sa richesse, quand il finit arrête, cause en termes 100, en termes 1000. Les causes en termes millions, les causes en termes milliards. Quand Insan, ce technologie, finalement, les sacralités loin là, qui, dans un certain moment, les fin oublier, qui, ça l'univers là, et un créateur, qui dirige lui, avec une sagesse, derrière tout ce qui déroulait, l'eau salatée là. Derrière tout ce qui est arrivé, bon et mauvais, bonheur ou malheur, il y a un créateur sage derrière tout cela. Il n'est pas fini de mettre sur une créature dans un système indiscipliné. Il n'est pas fini de mettre sur une créature dans un système qui peine la discipline. Les films créent chaque créature dans une forme qui est appropriée à raison pour laquelle les films sont créés. Chers frères et chers sœurs, à réfléchir, un virus invisible, micro-organique, invisible, et qui Allah fin créé coronavirus. Aussi longtemps qu'il est aux surfaces, la terre, le mur, le coltan, dans l'aise, il n'est pas fait un fracas. Pas senti ce fracas. C'est faudrait qu'on y finisse dans l'écho insane. Les vivent dans l'écho insane. Allah fin créé pour un objectif, les bizarres rentrent dans l'écho insan, pour les réaliser ce que Allah Rabbul Alamin pense aux sagesse, les houlés qui sa créature là, les réaliser dans Djibouti. Réfléchis, chers frères et chers sœurs, réfléchis, au bankena iman, et la matière à réflexion là-dedans, et la matière à réflexion. Banki, mais ça casse l'arrogance qui peut empêcher de reconnaître sa vraie créature là. Voilà, Allah peut donner une petite chose, un moment, une situation, pour grâce à l'arrogance là, pour retourner humblement vers la vérité qui est représentée par le créateur. Et la parole du Créateur et tout ce qui est relié à lui. Allah, lui être sage dans son administration. La sagesse d'Allah dans son administration. Tout ce qui est arrivé. L'eau salatée est là. Et il a du bien là-dedans pour Dimon. Et il a du bien là-dedans pour
toute la création. Chers frères et chers sœurs, peut-être une vérité qui nous pas peut rendre nous compte, nous peut agacer, nous peut troubler l'eau, le confinement national, international, nous peut troubler l'eau, rester dans la case, pas sortir, pas le travail. Nous peut troubler l'eau, ce type de vie qui nous peut bien amener dans cette détroit ou là là. Chers frères et chers sœurs, qui quantité du bien ça fait produire dans la nature alentour de nous. Dans les animaux, qui quantité les animaux, ils retrouvent cette liberté dans la mer. Qui quantité les oiseaux, qui quantité les animaux terrestres, les animaux aquatiques, qui tu peux t'affecter par l'homme, par insane, par cette bonne la vie quotidienne, je tiens danger pour sa man créature-là, pour la nature, je te peux reposer. Je te peux retrouver cette liberté dans sa nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'y crée pour je te vive. L'administration Allah, qui base l'eau en sagesse et insan, faudrait pas tous égoïste sa quantité-là, qui te quand qu'elle existe pour toi. Un bon moment donné l'eau la terre, te fin vivre, zis pour toi. Te fin calquer, zis pour toi. Zis qu'à ta propre famille, te fin négliger. Zis qu'à ta propre madame, ta propre enfant, te fin négliger. Derrière sa dunia là. Derrière l'argent. Derrière l'amusement. Derrière la satisfaction du désir. Allah subhanahu wa ta'ala. Fin retourne-toi à la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala. Fin attrape-toi pour montrer-toi. Tu errer, Allah subhanahu wa ta'ala. Fin appeler-toi. Fin faire appel à de l'intellectualité. Et insan. Peu importe qui statut te peut atteindre dans la vie. Peu importe qui statut te peut atteindre. Peu importe qui niveau la vie te peut amener. Peu importe qui qualité, luxe, confort te peut vivre. Tu pourrais toujours. Ben pauvre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça même, quand nous dit, nous amène iman en Allah étant le sage, alors, nous amène iman en Allah, les celui qui sage dans ce ban la loi. Alors aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous dans une qualité situation. Pas sous sagesse qui peine à limite, qui peine à aucun doute, incha'Allah. Dans la continuité de nos rappels, nous pouvons nous là pour montrer au qui quantité du bien est na. Dans ce moment difficile qui nous peut traverser là, qui quantité du bien est na grâce à la sagesse d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ne termine pas. Dis à nos bonnes frères et nos bonnes sœurs dans sa rappel de ce soir-là, dans sa première rappel de sa série des sessions de rappel qui, inshallah, Allah pour permettre nous pour faire. Et insan, nous finissons dire Allah subhanahu wa ta'ala les sages dans sa création. N'a pas pense mauvais l'eau, Allah. N'a pas les shaitan pousse nous pour penser mauvais l'eau, Allah. Nous pour cause en détail, Inch'Allah, l'eau là. Toujours comprends la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans son administration, comprends la sagesse d'Allah. Dans son législation. Dans son limite qu'il est fait de mettre l'eau sur la terre. Et insan, quelque chose qui, tu peux bon rappelle-toi, tu peux bon demande-toi pour arrêter, pour mettre un frein, tu peux bon demande-toi pour qu'il te reste loin et qu'il te tu peux persister, pas pour capable, pas pour capable. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne-toi l'occasion. Qui quantité quelque chose, un seul coup infini arrêté dans toute la vie. Assise et réfléchis. Comment tu peux vivre?
sans sa manne sorti, haram. Comment tu peux vivre sans sa manne transaction financière, haram? Comment tu peux vivre sans sa manne gaspillage, les temps dans haram? Tu peux vivre. Tu peux vivre. Saisis l'occasion. Rétracter. Et faire une bonne réflexion. Comprends la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les peut faire actuellement. Demande les doa. Parmi les doa qui nous supposaient demander, les frères et les sœurs, nous pas supposés si demande Allah doa. Pour pas faire nous malades. Ou bien pour guérir nous. Ou bien pour protéger nous. Il y a toutes choses qu'Allah fait. Et là, une sagesse d'Allah qui invite vers la guidance, qui invite vers la vérité, vers la réalité. Demande Allah pour ouvrir nous les cœurs, pour guider nous vers la vérité, pour faire nous trouver réalité, nos réalités, et sur réalité. Nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fait sa message là découle dans nous les cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour ben errer, qui de nous pas étant humain. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions Allah pour tout bon qui découle depuis nos paroles, qui viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit et pend nous de bonnes souffrances, de bonnes difficultés, qu'il protège nous contre ce virus-là, il protège nous la famille, il protège notre pays, il protège toute la race humaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les réserve le meilleur pour nous dans le dunya et dans l'akhirat. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته